Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un portefeuille numérique dans MetaMask. MetaMask est une extension de Chrome et l'ensemble du processus doit être effectué via ce navigateur, mais vous pouvez également l'installer sur votre appareil mobile de la même manière. Pour commencer, visitez le site metamask.io. Cliquez sur ce bouton pour télécharger l'extension. Des options pour Chrome, iOS et Android seront présentées. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur l'option Chrome. Cliquez maintenant sur ce bouton pour installer MetaMask dans Chrome. Cliquez sur ce bouton pour ajouter l'extension. Ce message s'affichera pour confirmer que vous voulez vraiment l'installer. Cliquez ici pour accepter et ajouter l'extension MetaMask. Un petit fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. Attendez que ce message apparaisse. Cliquez sur ce bouton pour lancer l'application. Pour créer un nouveau portefeuille, cliquez sur ce bouton. Pour continuer, cliquez sur ce bouton. Entrez maintenant dans ce champ un mot de passe fort pour votre compte MetaMask. Répétez le mot de passe dans ce champ. Cochez cette case pour accepter les termes et les conditions de MetaMask. Cliquez sur ce bouton pour créer le compte. MetaMask dispose d'un système de sécurité afin que vous puissiez récupérer votre compte. Des mots aléatoires seront affichés et doivent être conservés dans un endroit sûr. Pour afficher vos mots secrets, cliquez ici. Ce sont vos mots secrets de récupération de compte qui seront nécessaires pour la prochaine étape. Cliquez sur ce bouton pour continuer. Vous devez maintenant placer les mots secrets dans le même ordre qu'ils ont été présentés à l'étape précédente. Pour cela, cliquez sur chaque mot en conservant l'ordre d'origine. Si l'ordre des mots est correct, ce bouton sera déverrouillé. Cliquez pour continuer. Ce message confirme que votre compte MetaMask a été créé avec succès. Cliquez sur ce bouton pour terminer. Ceci est votre portefeuille numérique MetaMask. Pour copier l'adresse de votre portefeuille, cliquez simplement ici. Alternativement, vous pouvez cliquer ici et votre adresse de portefeuille MetaMask sera affichée dans ce tableau. Enfin, notez qu'une icône MetaMask a été ajoutée dans la barre supérieure de votre navigateur. En cliquant sur cette icône, vous pourrez visualiser votre portefeuille MetaMask en cas de besoin.